Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est la visite d'entreprise et le repérage des risques. Ouais. Ah, là, je comprends rien du tout. C'est là quoi? Attends, c'est pas la première page, c'est pour ça. Ouais, on va voir un coup là. Ouais, c'est là. Donne-moi de tout ça. Tiens. J'en vois pas, ça, le cerveau marche pas. Ah, c'est la connaissance du milieu du travail. Ouais, quel travail? Ben, tu sais, là, le travail qu'on fait là. Ouais, il faut maintenant remplir des papiers quand on fait le travail qu'on fait. Bah ouais. Ouais. Ah, c'est quoi sinon ce qu'on fait pas là? C'est quoi? C'est rien, oui, ouais, pas de bah, c'est vrai, ce qu'on fait pas, c'est travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait alors, nous, dans l'entreprise, dis-moi? Bah, ouais, rempli de papier. Alors, ah, alors risque d'accident. Dans la zone du travail, existe-t-il un risque de chute ou de heurts? De heurts, c'est quoi ça? Pourquoi il parle de l'heure? Attends, je vais chercher un écho parce que là, je comprends pas. Heurts. Heurts. Heurts, quoi? Ouais, ça dépend si une pendule est vite trop, elle peut tomber, hein. Mais, ah ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, je pense que c'est ça, ouais. Bah, attends, c'est bon, trois plombes, là. Heure. Bonne fourniture, bonheur, heureux. Ah bon? Ah bon? Existe bah, non, non, on n'est pas heureux, mais non. Ben, si. Quand on nous dit, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de boulot. Ensuite, l'ordre de manutention manuelle ou mécanisée, existe-t-il un risque de chute d'objet? Ouais, parce que quand je prends le balai brosse, parfois il m'arrive de le faire tomber au fond des chiottes et ça me fait franchement chier parce que je suis obligé de mettre la main au fond des chiottes. Ouais, putain. Ouais, ouais, mais ouais c'est un risque. Hein. Ouais. Et ouais. Après, lors de la manufaction. Non, de la manutention. Ouais, c'est une allure, lui. Manuel, existe-t-il un risque de posture à prolonger? Ou de répétition de gestes? Posture? L'autre fois, ouais. L'autre fois, j'ai vu... Et Gislaine aussi, je l'ai vu l'autre fois. Elle s'est fait prendre pour Bernard. Et répétition de gestes. C'est quoi? Quand tu fais tout le même geste. Qu'est-ce que tu fais à ton travail? Ouais, ça. Mais ouais, ouais, c'est toujours... ouais. Tout à fait. Existe-t-il un risque d'entraînement par une pièce en mouvement? Non. Ça bouge pas, sinon. T'as l'air là, on voit là. Franchement, je crois pas qu'on ait beaucoup en mouvement. Hein. Non, je suis content. Hey, ah, c'est bon ça. Très bon. En vrai, vas-y, on répond vite, hein. On va pas tracer trois plombs pour trois feuilles. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, ils étaient là, ils risquent de t'écrasement. Hein. Non. Bah. Tu vas pas te faire écraser par un carton de montre? Non. Bah alors, mais donc. Et non, t'es gay. Putain, attends, je fermais la porte. Tiens, une ferme en séduction d'ailleurs. Putain, depuis qu'il y a son HLM là, c'est foutu, hein, il y a encore plus de potins maintenant. Bon, alors j'en étais où? J'en sais rien. Je sais plus où j'étais. Ouais, tourne la page. Oh, t'as raison. Allez, risque d'accident. Y a-t-il un produit d'étincelle? Ah non, y a-t-il production d'étincelle? Non, parce que. Si. Quand je suis dans les chiottes. Eh, c'est pas tout à l'heure, j'ai mis la crème brûlée dans le micro-ondes. Et alors? Bah, tu sais qu'autour d'un papier d'alu, ouais. J'ai pas tout enlevé, ça fait des étincelles dans le. Il est con, il est... C'est vrai en plus. Ouais. Mais moi, je t'ai à nouveau. Ensuite, utilise-t-on des produits inflammables? Bah, ouais. Faut surtout pas péter à côté. Hein. Et si des zones dangereuses? Elle a volé. Tu sais, quand je mets derrière, dans le local, derrière, tu sais, pour mettre des petits pieds dans les cartons. Et normalement, je regarde partout autour de moi s'il y a quelqu'un. Et dès qu'il y a personne, et elle se monte dans les carnois. Ouais, donc ces zones sinistrées, il faut pas y aller au bout d'une heure, tu peux y retourner, mais pas avant. Faut mettre des panneaux. Hein. Ouais, donc c'est dangereux. Alors, les consignes propres aux locaux de stockage sont-elles affichées? Bah, ouais, parce que les femmes de ménage, elles ont forcément des consignes, elles sont propres. C'est vrai. Et... Mais c'est pas sûr. Hein. Bon, et après... Ouais, qu'on s'en fout. Le personnel est-il informé des risques d'incendie? Non. Non, c'est vrai. De toute façon, les incendies, on peut les compter hein, dans l'entreprise. Hein. Bah, pas besoin de compter parce qu'on n'a pas. Bah, je me rappelle pas qu'il y en ait eu. Hein. Non, non, mais non. Généralement, il pleut, donc les incendies... non, il n'y a pas de risque. Hein, ouais, pas possible. Bon. Le personnel connaît-il les risques d'incendie liés à son poste de travail? Ouais, ça veut dire quoi? Bah, moi, mon poste de repart des montres, t'as les piles quand on les met en boîte, des fois ça prend feu. Ah ouais?
Il y a une boîte qui avait pris feu, celle de Losange. Losange? Elle avait des boîtes en plastique encore, des piles, c'est avec le produit, là, ça a pris feu. Alors c'est pour ça que maintenant ils donnent des boîtes en métal. Ça va pas là? Regarde, elle est stupide là! Hey, tu t'aimes pas loin là? Putain, regarde! Non, mais attends, t'aurais pu laisser vivre cette paupette, elle a un an! Ouais, c'est sûr, ouais! Mais c'est les bêtes du bon lieu! Ouais, vas-y, continue, on va y passer trois plans, mais! Non, mais c'est dangereux ça là! Imagine, tu fais comme ça, moi je te traite tout de comme ça dans la main, moi je dérape là sur le sol, je me lave et je suis écrasé par le chariot! Bah vas-y, t'as qu'à rajouter une case au risque de la tasse avec des claquements de mains! Bah ouais, non, mais c'est dangereux ce que tu fais là! Ça va! Tu pues, hein! Non! Tu pues, hein! Mais la pue, de toute façon! Bon, y a-t-il des consignes d'alerte définies dans le règlement intérieur? J'en sais rien moi. Les consignes d'alerte sont-elles affichées? Bah l'organisation. Mais c'est pas encore appelé le dernier, t'as mis quoi ton nom? Moi je mets nom avec hein. Le personnel est-il formé à l'utilisation de ce matériel? Non. Mais quel matériel? Le personnel connaît-il l'emplacement des moyens d'extinction? Bah tu mets ton cul dans l'eau et puis voilà, t'éteins le feu. Et puis, je sais pas moi, c'est con ces questions hein moi là. Qui est là? C'est pauvre. Vas-y, retournez maintenant. Thierry l'Allemand. Vous êtes un français, ça, hein? Alors, quel est le fonctionnement du système d'alerte? D'alerte? Consigné. Oh, les enfants! Allez, tout le monde dehors! Voilà, c'est ça le système d'alerte. Ah, c'est ça? Il y a une lumière dans le four qui s'allume. Mais ça, ça fait pas du. En l'absence du personnel médical, le STT peut-il faire appel au secours extérieur? C'est quoi le STT? C'est pas tout, tout, quand tu sais pas, tu sens. Sous-sol thermique? Je sais pas. Je comprends rien de ce test. Un moyen humain. Par quel moyen contacte-t-on le responsable de sécurité de l'entreprise? Bon cri. Ouais, au secours! Ah ouais, tout à fait. Ils sont cons, je te jure. Y a-t-il un médecin de travail dans l'entreprise? Non. Non. Et les horaires? Qu'est-ce que tu veux que ça me coûte à propos des horaires? Parce que j'ai déjà du mal à connaître les miettes quand je vais encore connaître les horaires du médecin! Ouais. Franchement, c'est nul, hein? Ouais. Y a-t-il une infirmière dans l'entreprise? Hélas, non. T'es con. Bon. Jalouse. Aïe! Arrête! Bonsoir. Fou. Après. Les horaires. Y a pas d'horaire. Combien a-t-il des secouristes dans l'entreprise? Des secouristes dans l'entreprise? Voilà. Je sais pas, mais moi quand je me latte la gueule, généralement, j'écris au secours, y a tout le monde qui vient autour de moi. Alors pourquoi il faudrait un secouriste? Y a tout le monde qui vient de secourir. Non mais si ça. Oh ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, si vous t'aimez, t'as besoin d'aide. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je dis, tu te fais assassiner! C'est pas un casque sur toi, tu ne respires plus! Mais non! Tu dis n'importe quoi, c'est pareil! L'un qui m'apporte le thé, l'autre qui m'apporte les petits gâteaux, l'autre le coussin sous la tête, l'autre qui me couvre, l'autre qui me demande, tu vas regarder la télé là-bas, la petite salle? Eh ben ouais, ça c'est secourir! Ça c'est dans tes rêves! T'as pas besoin d'un seul secouriste, y'a tout le monde qui te secourt! C'est n'importe quoi ce questionnaire de merde! C'est quoi là? C'est Thierry l'Allemand là? Hein, je sais pas, moi, il fait partie de la Gestapo, c'est pas possible! Vas-y, continue! Y a-t-il un cahier d'intervention des secouristes? J'en sais rien, moi! Où t'es-tu? Je vais quand même pas regarder dans mon carnet de rendez-vous pour savoir si je vais secourir la personne, j'y vais tout de suite! C'est n'importe quoi, ces questions! Le secouriste va-t-il remplir le registre des accidents de travail? Quand on sait pas, on fait quoi? Ouais. Alors, non, mais non, il va pas le remplir, tu te rends compte, moi j'ai tout faux, si le mec il remplit, il s'est fait servir le café, la tisane et les petits gâteaux, moi je suis cuite, moi, hein, je perds mon boulot, non, forcément, non. Voilà. Non. Allez, voilà, c'est fait. Ça, j'aime bien les. Putain, regarde ce que t'as fait avec ma feuille là. T'as renversé ta bière dessus, putain, fais chier. Regarde, mais non, putain. Tu veux la mienne? Ouais, tiens. Ah non. Ouais. Mais non, t'as déjà écrit dessus, c'est pas possible. Sinon, je crois. Voilà.